Ouais, mais non, c'est pas PlayStation. Ouais. J'ai du pichi. Rue tout le monde! J'espère que vous allez bien, il est déjà 15h30. Jusqu'à 17h, et puis après je couperai. Je retournerai à mes occupations. Fais du bien. Relax. La belle Afrique. Oh les zoos. Oui, ça commence. Échec de chargement, joie. Là, je voulais mener un assaut. Refanfan. Je voulais mener un assaut. Vache. Et sur la carte, j'étais où? Ah oui, c'est vrai, j'avais un convoi à faire péter. Ah oui, donc t'es déjà libre, fun fan. Bon, bah c'est bien. Bah là, je vais faire 2 bonnes heures de Far Cry 2, tu vois. Aux environs de 17h, je couperai. Alors, du coup, je ferai pas relais de chaîne à Christella avec la chaleur. Elle coupe son ordi, elle a raison. Je ferai pas relais de chaîne à Cadeau Anthony. J'ai bien fait de le faire ce matin pour lui passer un petit coucou parce qu'il part en week-end avec sa douce. Là, il doit être sur la route. Donc, je sais pas à qui je vais faire les chaînes tout à l'heure, mystère. Aero, il est en train de diffuser, mais Aero, il aura arrêté quand moi je m'apprêterai à m'arrêter à mon tour. Je pense pas qu'il dépasse les 4 heures en continu de direct. Parce que j'ai pu lui faire un coucou tout à l'heure à ma pause déjeuner. On verra, hein, mais... Ah, c'est de l'aloe vera. Les gros végétaux, là, qu'on voit dans la lunette, c'est de l'aloe vera. Bon, il faut que je passe. Eux qui trépassent. Merde, ils ont encore un véhicule. Allez, une bonne grenade. Ah, ils sont là-bas. Encore? Putain, mais ils ont 50 véhicules, les mecs. Oh, il a démoli une partie de son camp. Allez, je t'ai vu. Derrière, et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde! Allez, connard, ne dégonfle pas! Viens rejoindre ton créateur, Kamalok! Mais à quoi il joue? Mais non, mais. Mais. Débile! C'est eux-mêmes qui sèment le merdier. Allons-y. Merde! Il va décommer. Normalement, là, je suis peinard. Retourne-toi.
Ah ouais, les belles feuilles d'aloe vera. Non, non, ouais. Hallucinant. Oh oh. Avec les explosifs à proximité, ça a pété. Ah lui, il est pas plus mal. C'est fait, c'est atroce. Ah merde, ça va être le crépuscule. Ça va pas m'aider. Il faudra que j'aille dans une planque faire passer la nuit. Parce que la nuit, moi honnêtement, je pourrais jouer. Mais vous, vous y verrez plus rien. Vous y verrez plus rien. Je vais aller à la planque provoquer le passage de la nuit parce que... Je pense pas que je puisse... Oh, la malaria qui fait suer. Je pense pas... Non, avec la végétation, je voulais voir si de ma cabane de sauvegarde, je pouvais atteindre le convoi. Que je dois éliminer, mais j'y crois pas. Non, non, le convoi passe beaucoup trop loin. Attends, là je vois deux casse-bas là-bas. Ouais, j'y vois rien, laisse tomber. Ou alors, je m'avance au point de... La vache, il fait un grand tour le gars. Et je reviens ici pour faire passer après. Oh. Je sais pas trop comment procéder. Là, il y a une plante là-bas. Il se relève. Costaud le mec, il s'est mangé 10 balles. Il avait un bon gilet pare-balles le gars. Eh ben. Eh ben c'est l'engin qu'il me faut ça. C'est l'engin qu'il me faut. Ouais non, j'étais pas près de l'atteindre le convoi.
Ah, il arrive. Il arrive, le convoi. Ils sont obligés de passer par là. Mais ils m'ont tué. Alors, est-ce qu'il faut que je ruse et que je planque mon véhicule davantage? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pas certain d'avoir eu le dernier véhicule. Merde, ils sont où? Oui. Mmh. Oh merde, c'est que ça flambe du coup. Oh, merde, ils vont m'abattre. Et mon... C'est des malins, c'est des malins. Je vais peut-être me reculer un peu, je sais pas. Histoire de davantage les surprendre. Ouais, on va les voir arriver là. Ah bah voilà. Là comme ça, ça se passe beaucoup mieux. Putain, il y a encore des débris qui retombent. EB. Je sais qu'à un moment, il y a une voiture de patrouille qui va arriver. Il faudrait que je retourne dans ma planque pour faire passer la nuit. Encore que j'ai une planque toute proche. Attends. Attendez voir. Effectivement, je suis mort. J'aurais dû patienter davantage et je pouvais les cueillir. Je retourne dans la cabine de Tourelle. Et voilà. Merci, alors que j'avais merdé mon tir. Donc, il y avait un truc tout proche. Ouais, je vais laisser le véhicule ici.
Tu vas pas me dire qu'il y a du monde là. Non, personne. Et le chemin de la... Ah, c'est par là, en fait. Ah, faut que j'essaie. Je te laisse mon lard, je vais dire reposer près de sortir à la bière dans un champ de maïs, ça va le coup, ma chère, on a fait l'expérience, du coup on est cramé. Oui, oula, bonne sieste à toi, bon repos, Torota, merci de laisser ta vue pour le... Enfin, c'est des stats bidons pour moi, mais c'est très gentil. Le geste est apprécié, comme on dit. Bon repos à toi, à plus, Torota, merci, bisous. Ça va, ma grande ? Qu'est-ce qu'un type comme toi fait dans un trou paumé comme ici ? Tu veux que je traîne dans ton coin, au cas où il se passe quelque chose ? T'as pas besoin de mon aide. Et pourtant... Ça bouge, ça bouge. Il y a du grabuge, ma grande. Il y a du grabuge par endroit. Voilà, 6 heures du mat, ça suffira. Comme ça, la nuit va passer. Oui, pour une mercenaire, oui. On peut dire qu'elle a de la poitrine. Elle est pas plate. Comme par hasard. Et même d'ici, ça se voit. Hein. Pardon, mais... Message de FunFan 1992. C'est pour avoir un gros soutien-gorge pour ranger son équipement XD. Tu rigoles, mais... Ça a pas duré longtemps, mais j'ai souvenir qu'à une époque, il y avait cette astuce de, pour des nanas qui étaient plates, de se faire mouler des faux gros seins. Et c'est triste. Les seins rembourrés permettaient de faire passer de la contrebande. Mais ça n'a duré qu'un temps, hein. Le subterfuge a vite été trouvé. Et les fouilles au corps étaient plus appuyées par les douaniers. Ah, c'est vrai que j'ai encore une mission d'armurerie possible. J'ai les mercenaires, j'ai les pylônes, j'ai la capitale. Merde, il y a du monde. Oh, c'est con, ils m'ont pas vu. J'ai du bol, ils m'ont pas vu. Merde, j'ai loupé. Et ben voilà. Livraison de véhicule. Merci les gars. Alors on va où avec ça? Encore une mission de livraison d'armes? Oh, c'est tellement cool d'avoir le matos à volonté. On dira c'est ma mission secondaire la plus proche. Donc autant y aller. Chez ma gauche et j'ai pas vu merde, j'ai pas vu où était le chemin, tant pis. Ah oui, c'est par là. C'est en face. Ah oui, c'est en face. L'armurerie est là-bas. D'accord. Oula, doucement, c'est pas flatable. Merde, je m'amène tellement mal mon buggy qu'il est en train de partir en charpie. Oh bah alors, c'est pas très professionnel tout ça. Vous jouez de la clé à molette.
C'est scandaleux. Le MGL 140. Vous êtes du genre à comprendre les ficelles de ce business. Un convoi d'armement est en route depuis le nord. Tout ce qui importe, c'est de le détruire. Faites-le et j'aurai des jouets flambant neufs à vendre la prochaine fois qu'on se verra. Parfait, je sais reconnaître les... C'est pas la porte d'à côté. C'est... Attends, j'étudie la carte parce que je me dis, est-ce que je passe par la mer? Est-ce que je... Enfin, la mer, les rivières. Eh, sans déconner. Hein. Je crois que je vais prendre la voie maritime en partie. Parce que j'aurais vite fait de longer les... Allez, on va se faire une partie fleuve. Franchement, il y a moyen. Et pour peu que j'ai des diamants en cours de périple à récupérer, ce sera toujours ça de prix. Foutu malaria. Attends, je me barre. Je vais rejoindre la route à la sauvage. Voilà la route. Alors attends, pour rejoindre la rivière. Gauche ou droite? Non, je suis bien embarqué. Attends, il y a du monde là. Sérieux? Y'a personne? Je soupçonnerais une entourloupe. Ah! Ils étaient planqués. Ouais, non, j'ai de la compagnie. Non. Merde, mon véhicule part sans moi. Attends! Reviens! J'ai pas signé pour ça. Ah, c'est ma coéquipière qui vient m'aider. Oh, elle s'est mangée une balle en pleine tête. Attends, la route est là-bas, elle m'a extirpé de là. Où on était là-bas? Je crois qu'on était... Je sais pas. Par contre, il y a du matos là-bas. C'est pas pour me déplaire. Elle est douée, la miss. Merci du coup de main, c'est apprécié. Ah ouais, il y avait un gars là. Putain, je l'avais même pas vu.
Sur qui elle a tiré? Ta blessure est moche. Soigne-toi. Mais arrête de déconner. Oh, j'ai une petite égratignure, ma grande. T'abuses. Ah oui, elle m'a mis en amont. Elle est maligne. Ah, elle est excellente comme mercenaire. Elle a des bons réflexes. Elle est très bien. Je suis bien content de l'avoir de mon côté que contre moi. J'ai le pistolet mitrailleur. Je regarde en fonction des armes embarquées. Ouais, non, tous ces pistolets mitrailleurs. Il y a le mec que j'ai écrasé tout à l'heure. Ah oui, il y avait du matos. Sauf que là, je suis au taquet. Là-bas aussi, il y a un truc. Ah, j'ai... Pas de diamants, je présume. Ah, les diamants ont déjà été faits ici. Bon, faut que je me barre par là-bas. La, 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 la. La, li, 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 li. Je ne me lasse pas dans l'ambiance. C'est beau comme tout. Par là-bas. Attends, je suis passé hors route. Oh merde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est leur navire. Si j'y arrive. On va se calmer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est remonter la rivière. Ah, ça va, j'ai cru que le moteur avait été touché, mais non. Ah merde. Là, je vais être obligé de jouer du snipe parce que. Ils vont me faire suer. Même pas si je l'ai abattu. Je l'avais dans le viseur, mais j'étais peut-être trop loin pour lui faire des dégâts. À
Ah, puis le soleil de face. Pour un sniper, ça se fait pas. Quoi? Oula, j'ai un véhicule qui vient me rendre visite. Alors, en même temps que j'ai des... Aïe, j'ai une balle de snap qui m'a touché, là. Une salopard. Ouais, bien le snipe. Comment qu'il m'a fait ma fête? Oh la vache, il m'a pas loupé. Si j'y vais au forcing, je passe à Donf. Je suis sûr que je me fais abattre. Oh, ils sont tirés dessus ou quoi? J'ai entendu un mec gémir. C'est un miracle que je sois passé. Ah bah je pensais pas passer d'une seule traite, mais finalement ça a fonctionné. Alors attends, je vais réparer le navire là parce que... Il a morflé. Voilà. Ouh, puis je suis dans un coin calme, ça fait du bien. Allez, on continue. Alors je crois qu'il y a une tourelle de garde avec un snipe au milieu du con. Je sais plus où elle est. Ah, elle est là. Merde, le mec est trop loin. Le mec est trop loin, je vois pas. Je sais pas si je l'ai eu, j'espère. Faut que je continue à remonter le cours d'eau. Ouais, je crois que je l'ai dégommé. Eh, ça se passe quasiment sans encombre. J'en suis le premier surpris. Ah, la malaria, il y a une crise. Ah, merde. J'ai presque tempête de sable, l'effet de brouillard jaune. La pierre.
que j'aille par là-bas. Ouais, faut que j'aille par là. Rigolo d'avoir le GPS et la carte en même temps. Mais ça aide. D'accord. Eh ben, elle est sympa la promenade fluviale. Oh, du diamant. Il y a du diamant tout proche. Ah, la rive opposée, je présume. Au pied de l'arbre. Comment je fais pour l'atteindre? Ah oui, la mallette est là. Alors là, comment qu'on fait? Grande question. Station service, ouais. On aurait pu croire que... Pas mal le chalutier. On aurait pu croire que c'était une armurerie. Oui, si on se revoit pas, oui, bon week-end. Merde, je viens souvent de voir le message de Torota. La suite, j'avais pas lu. J'avais pas vu la suite du message de Torota. Oh. Je le lis 20 minutes plus tard, tout va bien. Attends. Comment je peux atteindre l'endroit? Je pense que je vais faire une croix sur ce diamant. Hey, ceux qui font un 100% dans Far Cry 2 avec tous les diamants, à mon avis, il y a des passages où on doit s'arracher les derniers cheveux de la tête. Ah, ils m'ont descendu. Ils m'ont descendu, les salauds. Inalo ! Ils m'ont abattu. Je me suis raccroché à la rive. En plus, quand j'ai sauvegardé, j'avais une très mauvaise trajectoire. Voilà. Préventif. Oh.
Bizarre. Oula, je vais me faire saucer là. On se croirait dans Resident Evil. Des Resident Evil. Bonjour Lyonnais. Ouais, j'ai été débile dans mon approche. Mais j'aurais gardé ma vitesse. J'aurais pu échapper à leur tir. Mais là, comme je me suis raccroché et au rivage et aux embarcations garées dans le port, j'étais foutu. J'espère que tu vas bien, Ayonet. Boyola, boyola. Ça va? Très bien. Moi, ça va bien, bon, merci. Oh, avec le soleil de face. Le truc qui n'arrange rien. Hop, le mec est mort. Lui aussi. Il n'y a pas que deux mecs, c'est une grosse installation. Ah, je vois du mouvement. J'ai vu du mouvement. On a l'air bien prudent les deux. Qu'est-ce que je vois au sommet de la montagne? Ah, c'est une antenne relais. J'ai bien vu quelque chose bouger, non? Ou j'ai rêvé? Ils ont du matos. La casse-bas, je la trouve louche au-dessus de l'eau. Si je déclenche un incendie sur les quais, est-ce que j'ai bénéfice à tout faire flamber? Je suis pas sûr. J'aurai plus de résistance. Je le ferai. Alors, soit c'est le même mec.
soit ils sont encore deux. Et je vais faire mon enfoiré. Réveillez-vous ! Hey ! Merde, j'ai loupé une case en or. Jeter à l'eau ou pas. Attends, il y a des trucs à faire ici, c'est obligé. Il y a du matériel à droite à gauche, je vais me servir. Voilà, déjà je me refais une santé avec la flotte. Il y aura peut-être même du diamant, ça m'étonnerait pas. Il y a pas mal de déchets. La fameuse passerelle qui surplombe le fleuve. Voilà, d'ici ils peuvent me voir. Le loustic que j'ai eu en premier là, qui était confortablement assis. Il est bien mort. Ça. Putain, je l'ai... Ah, il y a un véhicule. Merde. Oui, c'est ça, viens mec. Viens. Ah, ça va, tranquille. Mais quel guignolo. Il apprend à conduire, lui, ou quoi? Quelle bande d'amateurs. Ah, pas lui. Lui, il a pas dit son dernier mot. Le général, là. Le général, une balle dans la tête. Nyaah. Une grenade là-dedans, je te dis pas les explosions. Bonjour Maniki, comment ça va? Merci pour le petit coucou alors que je fais mon foufou en Afrique. Bien, il manque encore deux balles pour être au taquet des balles de snipe. Ouais. Ah non, mais c'est un épouvantable carnage. Attends. Attendez. 30 secondes. J'ai des guignols qui font n'importe quoi devant chez moi. Alors que j'ai des écouteurs, j'arrive à les percevoir. Ce qui est assez malheureux. Ah, ça a pas duré longtemps, excusez-moi, mais bon, bref. Oui, merci de pas déformer mes propos, oui. Ah,
Bon, bref. De toute façon, moi, c'est sur la rivière que je voulais me rendre. Attends, qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Ah oui, non, ça, c'est les trucs avec les... Ah, salopard. Il me tire dessus, il a encore en vie. Essentiel. Il est où le mec? Ah, il est là. Voilà, j'ai abrégé ses souffrances. À tout faire péter. Hop là, boum. Même pas. Voilà. C'est tout. Oh, j'ai une tristesse. Oh, la pluie arrive. Ah, la rigolade. Hop là. Un nouveau navire. Joie. Là, du coup, la pluie va stopper l'incendie. Hein. C'est pas de bol. Ça aurait bien cramé, ça aurait tout fait péter. Bon, tant pis. Moi, j'ai un convoi à faire exploser, justement. Ah, on m'allume déjà. Ah, les mecs, ah, ils sont partis au loin. Ah oui, ils sont là-bas. Voilà, comme ça le convoi va aller plus vite. Alors, qui c'est qui essaie de me dégommer là? J'ai un snipe dans les parages. Il y a un sniper qui essaie de me dégommer. Où est-il? Oh la vache! Vous entendez les balles siffler? Alors le mec il tire de loin, hein, sûrement du plus loin. Oh merde, il m'a touché l'enfoiré. Il était quelque part par là-bas. Non, il est au sol. Ça m'étonnerait. Oh, vache, comment qu'il arrive à m'allumer? Où est passé le fourgon? Attendez, là, faut m'expliquer un truc, là. Comment le fourgon a pu disparaître sans que j'ai la notification comme quoi le truc a été détruit? Il y a eu un bug, là. C'est ça, qu'est-ce qu'il se dit, gommé? Ouais, c'est exactement. Non, mais là, j'ai eu un bug. Parce que le convoi ne peut pas disparaître de lui-même. C'est pas possible. Thank you.
Ah ouais, le convoi a disparu. D'accord. Le fait de l'alarmer, en fait, c'est pas bon. Il se barre. Donc il faut faire ça proprement et vraiment le faire sauter du premier coup, quoi. Mais... Bon. J'ai pas du boulot d'amateur. Faut faire ça comme un professionnel. Bonjour le baron, comment que ça va? Ah bah voilà. Presque. Dommage. Je vais recommencer parce que je pourrais presque arriver juste devant le convoi et balancer ma grenade. Ce qui fait que ma mission sera accomplie avec une aisance déconcertante. Ah. Merde, j'ai couru du mauvais côté. Ah ! J'ai couru dans le sens opposé au convoi. Oh le con. On va y arriver. Ah, merdoum. Là-bas, l'arbre. Voilà. Comme ça. Merde, j'ai loupé. Ah, mais avec la fumée, je vois rien. Ok, mon arme est coincée, je suis foutu. Oui! Prends ma grenade! Magnifique! Superbe, j'ai réussi. Ouais! Oh non, rien. Dommage, merguez, comme tu dis. Mais moi avec, malheureusement. Alors que j'aurais pu, sans déconner, m'en réchapper. Mais je suis content d'avoir eu le camion à la grenade. Je suis... Voilà, je suis fier de moi. Il est passé par là. Surtout qu'il flotte. Tiens. Et toi tu la retires. Oh merde, il m'a battu, c'est scandaleux. Là, le mec rembobine ce qui s'est réellement passé. Ah non. Il passe par là, lui. Les autres, ils arrivent. Je peux les accueillir.
Eh ben, faut apprendre à mieux viser. Où est parti? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Attends, excuse-moi, je suis pressé. Là, il y a un mec qui anticipe le tir. On brûlait avant, les gars. Merci. Voilà. Hop, je me refais une santé, le gars arrive encore. Je me barre, ça va têter. Je sais pas où est le gars qui essaie de me faire la peau. Mais il tire trop bien! Il tire trop bien! Je sors à peine du buisson derrière le tronc et il m'aligne. Alors, deux choses. Bon tireur plus bonne arme. Salopard. Lance-la, barbe. Ah. N'oublie pas qu'il est encore en vie. Sinon, c'est le démon incarné. Hein. Le mec, s'il est tranquille dans les flammes. Cette scène de guérilla. Quoi? Ah non, j'avais pu voir un véhicule en faction. Bon, son fusil à pompe est bon. Mid. Midum, crotum, shodum, merdum. Tic, 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 tic.
Non, la sauce passe très bien. Tout flambe. Salopard. Ah, les bons tireurs. Casse-bas des snipers. Ça me casse. Enfin, sans le sniper. Oh merde, ils m'ont abattu. Yeah. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Bon, bah je me suis un peu mis dans la mouise, hein. Petit peu. Bon, joli. Oh merde! Y'a plus rien. Oh oui, joli. Oh, ce merdier. La rigolade. Alors le problème de la bombinette, c'est qu'il faut le faire dans la minute qui suit. Sinon le jeu est oublié, si vous voulez. Oh vache. Je devais avoir une balle dans le bras parce que j'ai voulu tirer face de moi, le mec qui se présentait à moi, et j'ai l'impression qu'il a tiré en l'air façon cow-boy. C'est bon. Eh oh, j'ai cru qu'il allait se relever. Ah pas non. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Il se relève. On peut pas l'arrêter. C'est la périsine. Tu vas mourir. Oh merde, il a tiré avant moi, j'aurais dû tirer à travers le bois. Mais la scène d'échange de tir est sympa. J'aime bien, ça fait bon film d'action. Qu'est-ce qui se passe, les paumés? Ah non. Non, non, j'ai mal évalué la situation. Non, le mec qui m'a battu me faisait face. Ça doit être le même gars qui m'a eu précédemment, mais là je l'avais plus à vue à cause de la végétation ou du décor. Merde, c'est paumé! Ils l'ont perdu!
ennemi. Recharge, couvre-moi. Dépêche-toi, il part facilement là. Je sais, je sais. La poisse, il y a eu une attaque. Et moi. Merde, j'ai plus de balles. Oh merde, j'ai plus de balles. J'ai plus de mun, ça va pas les gars. Ah bah il mourut. Merde. Incroyable mais vrai, je suis à court de munitions et il pleut. Donc ma technique de l'incendiaire va pas marcher. Je suis à mon désavantage. Qu'est-ce qui se passe, c'est paumé. Ils l'ont fait. Il est pas loin. Merde, tu l'as vu la dernière fois. On devrait se disperser et le chercher. Pas moyen, on bouge pas. On sait même pas où il est. Oh, il reste mon fusil de snipe, mais c'est abusé quoi. Ça pour pas être loin, je suis pas loin. Il est en niveau. Je disais. Oh merde. Je vois rien. Je suis à découvert. Je crois que c'est bon. Les deux becs, la tête contre le banc. Pas mal, pas mal du tout. Ça, c'est la bonne opération. Merde, il y a du diamant tout proche. Ah, puis il y a un pylône pas loin. Trop bien. Des diamants et... Je vais de valider un contrat d'exécution. En bon mercenaire que je suis. Il y a des diamants dans le coin. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc au milieu de la casse-balle. Mais... Je verrai sûrement quelque chose depuis le... les hauteurs du... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, comment l'autre Nigo est mort. Ah, le baron a replanté une bombinette. Visiblement à destination de Funfan. Mais je sais pas si Funfan est en possibilité de la désamorcer. Merde, je capte plus le diamant d'ici. Ce serait là-bas. Le diamant serait là-bas au loin. Non, sérieux. Il n'y a rien dans le foin, on est d'accord. Ça, c'est la ferme ici.
En dehors du village, il y aurait la mallette. Ah, qu'avons-nous là? Ah, tout simplement. Le coffre de la bagnole calcinée. Le voilà, le dit diamant. Donc, pylône. J'avais dit que je voyais un pylône dans la montagne. Il était quelque part par là-bas, je crois, non? Ah, mais là, on le voit plus. Ouais, c'était quelque part par là-haut. J'y vais avec un buggy. Attends, si dans l'eau des buggy restants, enfin des buggy, des jeeps militarisés, il me reste celle avec un lance-grenade, je prends évidemment le lance-grenade, mais ça c'est pas le cas. Ça c'est mitraillette. Non, c'est mitraillette aussi, mais c'est pas grave. C'est toujours ça de pris. Alors attendez, j'improvise. Oui, mais il y a de l'eau, je vais pas aller. Ah, je vais pas aller avec la Jeep dans l'eau. Comique. Comique. Pourtant, c'est la rive en face. Eh, j'essaye de faire une scène d'action, du genre prendre en plein élan le quai pour un tremplin et essayer de passer la rivière. C'est rigolo, non? Oh, ça passera pas. Avec le navire, ça passera pas. Mais j'ai très envie d'essayer. C'est parti, mon kiki. Oh! Ça a donné quelque chose. Comment dire? C'était presque ça. J'aurais presque pu rouler sur le navire. Par-dessus, et hop! Je me serais propulsé sur la rive opposée. Et je serais resté au sec. Eh ben le mec qui veut passer la rivière, il n'est pas prêt de le faire. Hein. Parce que vu le merdier que je viens de... d'occasionner sur place, c'est foutu. Qu'est-ce que j'en prends? Une petite promenade sous la pluie chaude, ça s'en refuse pas. Alors qu'il y a de ces souches d'arbres au bord de l'eau. Trop tard. Perdu. Ah, Fun Fan relance. Il tient à en découdre. Oh, ces formations rocheuses. Alors là, je suis perdu au milieu de nulle part. Ah, l'antenne, elle est là-bas. Ouais, bah je suis dans la mouise parce que là il n'y a rien. Faut que je contourne la formation rocheuse. Avec Yo-Yo, j'ose pas. Ça passera pas, je n'y crois pas. À moins de se finir mon histoire. Non, les gars sont déjà revenus. Il y a encore des véhicules qui crament au loin. Ça là-dessus, c'est cohérent. Non, non, le village est mort foutu. Les gigus n'ont pas été réinitialisés.
Yo, les anciens souvenirs de moi en tant que premier ministre. Ouais, bah aujourd'hui tout le monde se souvient. Enfin, ceux qui se souviennent de toi, Yo-Yo Jospin, tu es surnommé le bigorneau de l'île de Ré. Affectueusement, bien sûr. Oula, cette cambrousse, on se croirait. Là, avec les buissons, on se croirait presque dans le maquis corse. Pas de diamant. Ouais, il n'y avait pas de canicule à l'époque. Ouais. Aïe. Or, que signifie un bug? Je relance. Scandaleux. Alors qu'un énième moucheron est allé mourir dans mon café. Ah non, il est encore en vie. Burk, pas très hygiénique tout ça. Non, là j'ai malheureusement coulé à pic. Bon, alors ce pylône, je vais finir par me le faire. J'ai du bol, dans ma ligne de mire, il y a un tonneau d'explosifs. Mais ça n'a pas plus d'effet que ça. Delta plane. Oh, on va faire l'oiseau. On va se barrer en delta plane, les copains. Et ça, c'est beau. Oh, ça va être d'une poésie, ce vol. Oh, et puis il est beau, il est blanc et mauve, aux couleurs de Twitch. La cible est dans la capitale, droit devant. Mais vu le relief, j'irai pas loin. Et comme l'oiseau, sa vie d'amour et d'eau fraîche, un oiseau. Ils vont me voir me tirer dessus, les salopios. Je crois que je vais l'avoir dans le panneau. Waouh! Coucou! Je suis là, my amore. Oh, ils m'ont snobé.
Oh, vilain bout brigand. J'étais immatriculé 8 et M00. J'étais stylé. Je peux même monter sur le... sur le delta plane. Alors, il y a un bug... Quoique... Est-ce que pour considérer ça comme un bug sonore, on entend encore le bruit du vent dans les voiles du deltaplane. En même temps, il est vrai que dans la physique, ça n'empêche pas, bien qu'il soit au sol, le vent de s'engouffrer sous les voiles. Donc, allez, on va pas dire que c'est un bug. Mais c'est troublant. Bah le vol a été court, hein. Sniff, j'aurais aimé un vol plus long. Par contre, l'idée de me faire livrer une bagnole, ça me plaisait. Ça me plaisait grandement. Est-ce qu'ils peuvent revenir me déposer la tuture? J'adorerais. Je pense que la patrouille fait des va-et-vient. Je sais pas si je vais au loin. En fait, le relief est pas assez escarpé dans, en Afrique, là où je suis, pour pouvoir faire des super séances de deltaplane. Est-ce qu'ils vont corriger dans le 3, justement? Avec le Belvédère, on l'a vu avec Dragon Sky il y a pas longtemps sur sa chaîne. Il a fait le fameux vol dans Belvédère. Bon, je vais bouger mes fesses là parce qu'il y a une inaction d'un ennui mortel. Qu'est-ce que je vois là-bas? Ah, c'est un panneau. Alors, après, où sont les loustiques? Point d'interrogation. Je suis joué à la capitale, il faut que j'aille par là-bas. Allez, là. Merci. La livraison de véhicule est appréciée. Je serais méchant, je dirais je ne vous attendais plus. Ah, rendez-vous à la capitale. Nyahi bonyanga si nyonya bonyange nyanya 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 nyashi nyanya nyanya nyashi bonyanga. Il pleut bien. Ah, il y a une armurerie toute proche. Ça peut faire mon affaire. Merde. Je pensais pas croiser une patrouille mobile d'aussitôt. Mais... je suis naïf dans le sens qu'en général, c'était une rive opposée, donc... ouais, je tiens au niveau des patrouilles. Ils ont chacun leur secteur. Je sais même pas si je vais faire usage de l'arme du véhicule. Je
Je vais garder mon snipe, ce sera plus efficace. Lève là. La végétation va... Voilà. Et c'est quoi leur arme à eux? Ouais, c'est un bon gros canon. En plus. De toute façon, j'allais faire le plein à l'armurerie. Mais t'as pas des nouvelles armes, mec? Dis-moi tout. Ah bah le mec il est plus là. Mais le contrat normalement est rempli. Ce qui veut dire... Je devrais pouvoir acheter le lance-grenade. Là j'ai accès à tout. Sauf que j'ai peut-être pas assez de diamants. Merde. Il est où le lance-grenade? On a le lance-roquette. Le lance-lame je l'ai déjà. Oh la vache, 35 le lance-roquette Carl G. Carl G. Ah, le lance-grenade. Bah, je l'ai déjà. J'ai déjà un lance-grenade. Attends, je comprends plus. Explosif. Ah, lance-grenade. 35 diamants. Ah, merde! Il me manque un diamant. Oh, fais chier! Non, il me manque un diamant. Alors, il faut d'abord que j'exécute mon contrat pour être payé en diamant, revenir ici et récupérer mon lance-grenade joujou. De la moelleté. C'est quand même terrible. Alors, comment vais-je tuer ma cible ? Je vais essayer de foutre le feu à ma cible. L'idée me plaît beaucoup. Je peux essayer aussi au fusil hypodermique. Intéressant. J'ai des théories à émettre, mesdames et messieurs. Waouh, il fait sombre. Putain la vache! Il flotte tellement qu'on y voit presque plus rien. On se croirait presque de nuit alors qu'il fait plein jour normalement. Et c'est par là la capitale normalement. Oui, oui. Bonjour messieurs dames. C'est le feu, ils ont pas le droit de me poursuivre. Et du coup... Ah, ils sont restés sur le pont. Ah, et ils m'attendent. Ils m'attendent à l'autre bout du pont, les salauds. Doit être un homme d'affaires. Oh, c'était le... Ah, c'est lui. Non? Même pas besoin que je rappelle les règles, si.
Ah, c'est cet homme-là. C'est lui qui se la pète à la clope sous la flotte. Donc, si je me mets, par exemple, je sais pas par quel miracle, sur le toit d'un immeuble. Il suffit que j'ai le mec dans ma ligne de mire. Je vais voir si je peux aller à l'église. Parce que c'est horrible. Mais depuis le clocher, je pourrais pas le louper. Très envie d'essayer. Il y a du diamant ? Non, il n'y a rien ici. Pas que je peux pas rentrer dans l'église. Ah. Ah. Là 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 là, je vais lui sonner les cloches. Je vais lui sonner les cloches. Ah merde, l'angle de vue est tel que... C'est un peu dur finalement. Alors, ma cible. Ma cible n'est pas cet homme. Merde. Je vais appeler Jacques Pradel, j'ai perdu du bord. Attends, il est où? La carte me dit qu'il est là-bas au fond. Oui, non, mais... Ah, merde. Finalement, vous voyez, mon angle de tir, je me fais avoir. Comment ça va, chef? Viens de trouver une douzaine de paquets de coke dans ton casier. Si tu veux pas prier ton barde avec le camp, tu vas devoir partager le gâteau. Pas question. Ouais, j'ai pas une proposition, moi. Imagine un peu. Quoi, une pièce de grenade chinoise lors d'un rendez-vous avec un certain faction alien. Une photo. Bon, on reparlera de ça plus tard. Ah, c'est lui. Allez, mec, allons-y. Non, maintiens ta position. Tu peux te faire planter. Mmh. C'était lui. Ouais, ouais, le baron. Pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Des bières, des filles, ouais. Bien, j'ai un véhicule, tranquille, je vais pouvoir me barrer. Like a professional. Retard. Je vais me barrer de la zone de cessez-le-feu et mon contrat est rempli. Je vais retourner à la à l'armurerie. Suivi, c'est con. Ah oui. Ils m'ont suivi. Ah,
est-ce qu'il est allé se planquer l'autre? Je te vois. Et où es-tu? Je sais. Wow, bon tireur le gars. M'a surpris là. Donc j'aurais pas dû rester sur la voie ferrée, mais j'aurais dû bifurquer sur la route. À ce moment-là d'ailleurs. Merde, je sais plus où est mon... Non, je me suis trompé. Ah oui, je me suis trompé. Voilà, il y a plusieurs. Attention ! Lame-la ! Réussis en dalle, là, qui t'a fait le flint ? Attention ! Je le vois, là-bas, on se cale dans un coin et on se débarrasse de ce fusil. Ce con va provoquer l'explosion de mon véhicule. Ça devient drôle, hein. Bon, je peux aussi précipiter les choses. Il m'a contourné, il est allé dans les herbes et je l'ai pas vu, ou c'est du renfort qui est arrivé tardivement? Ils sont bien deux. J'ai eu un doute sur la... Où il est parti? Il est quelque part par ici. Vite! Il est passé par là! Putain! Allez, je t'ai vu! Y'a rien et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde! Allez, connard, ne dégonfle pas! Vache. Bien. Eh ben dis donc. Non, je vais peut-être pas aller à l'armurerie à pied. Oh, ça fume noir. Il n'y a plus qu'à espérer que le véhicule à côté ne pète pas trop vite. Coucou. Ouf. Voilà. Bonsoir Twinsen, j'ai eu chaud. Enfin bonjour, il n'est pas encore l'heure du goûter, j'exagère. J'ai eu chaud, j'ai sauvé mon véhicule, en plus de sauver mes fesses. Oui, tu cuis, mon pauvre, tu une scène. Ouais. Tu t'es... Bah attends, on est vendredi, tu t'es coltiné la route, et puis t'as pas la clim. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu pars seulement. Oh putain. Eh ben, bon courage à toi, bonne route. T'as 30 degrés, oh vache. Alors moi j'ai 29 chez moi, mais c'est du 29 respirable. Mais ouais, dur. Dur, dur, dur. Ouais, tu vas rouler encore pendant une heure et demie avec les fenêtres ouvertes.
Bon courage à toi. J'espère que tu n'auras pas trop de retours de pots d'échappement de ceux que tu vas poursuivre sur la route, là. Bien malgré toi. Le programme après, c'est que je vais pas tarder à arrêter. Parce que j'ai pas mal de bricoles à faire. Hors caméra, oui, c'est un peu le cas. À 17h, je pense que je ferai un relais de chaîne à quelqu'un. Et vous ne me retrouverez que demain matin. Ah. Wally Wallou. Ah, le lance-grenade. C'est un sacré joujou. Le MGL 140. Oh, Portal 2, j'ai bien compris que t'adores. Donc, je ferai en sorte que tu sois là quand je le ferai, Portal 2. Donc, peut-être que si demain matin... Attention, demain matin, hein, l'après-midi, je serai pas là. Si demain matin, je sais pas, t'es devant ton ordi, t'es dispo, je pourrais éventuellement faire du Portal 2, parce que rien n'est arrêté. Demain, je me voyais faire du Stardew Valley et enchaîner sur Arc Fatalis. Mais je verrai si tu te manifestes à moi. Je te proposerai de faire 3 quarts d'heure, 1 heure de Portal 2. Puisque ça te plaît bien. Mais là aujourd'hui, non, je suis pas dans l'état d'esprit. Portal 2 encore et toujours. Puisque il va y avoir une suite. J'ai des trucs complémentaires, mais Portal, j'ai pas fini de le consommer. Je sais que tu ne l'aimes pas, Fun, mais bon, moi, ça fait partie de mon plaisir, écoute. Là aussi, si je peux être conciliant, j'essaierai de le faire Portal quand tu n'es pas là, Fun. Au moins, tu n'auras pas à te le farcir. Enfin, bon. Ouais, non, il faut d'abord acheter le matos avant d'avoir accès aux améliorations. Mais qu'il arrête de me dire que j'ai quitté sans encombre la zone de cessez-le-feu. Oula, c'est un bug d'affichage. Vous allez voir que je vais garder le message tout le temps. Oh là là. Bon, attends, j'ai acheté le truc, j'ai relancé, parce que maintenant je vais avoir la fiabilité du bordel. Waouh, amélioration de fiabilité 8... diamants pour la fiabilité du truc. Oh vache. Allez, tout ce qui est... Ouais, lance... Ah, précision, ouais. Ouais, beau. Amélioration de fiabilité. Oui, ça peut être sympa. Ouais, ouais, tu peux... Fiabilité du Homeland. Bah, j'aurais payé des fiabilités. Vivi, oui, il y a de l'humour, oui, l'humour trash de GLaDOS. Ah ben le Giants, bada 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 bada, dibi 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 dibou. Bon, on va aller voir les nouveaux joujoux que j'ai achetés. Le nouveau joujou, il est où, il est où, il est où? Le nouveau joujou. Il est au-dessus de moi, non, il y a des pneus au-dessus de moi. Mais prends cette lampe. Ah bah voilà, je vais faire mon Terminator, moi, avec ça. Attends, on dirait pas qu'il le sélectionne, c'est bizarre. Attends, je suis... Mais oui, il se paye de ma tête. Hé ! Mais j'ai l'impression que je peux pas le sélectionner. Mais non, mais... C'est quoi cette escroquerie ? Attends, c'est quoi cette merde ?
Eh, il y a un bug. Oh non, je peux pas choisir mon flingue. Ah non, mais c'est con. Eh, c'est nul. Oui, il y avait de l'originalité au moins dans Portal. Ouais, ouais, c'était vraiment novateur. Mais c'est quoi cette merde? Je peux pas choisir le flingue de mon choix. Non mais là il y a des bugs, là, ça va pas. Mais non, mais non, mais va mourir, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Et un autre portal 2 avec un troisième portail nous attend. Ouais. C'est ça que bon. Ah merde, c'est vrai, j'étais en pleine bataille. Oh la vache. J'avais complètement déconnecté l'idée. Ouais. Ah bah là, il n'y a plus de véhicule, là. Les trois ont sauté. Ah bah merde alors. Je vais y aller à pied, c'est honteux. Ah, je brûle dans les flammes de l'enfer. Ah merde, là ça fait strike. Ah bah chiotte alors. Lego City Undercover. Ah oui, j'avais un bug. Parce que là, le troisième étage, il fonctionne. C'est quand même fou. Bon, bah, j'ai bien fait de relancer. Pas de relancer. De reprovoquer le chargement, parce que... Donc, rebelote. C'est reparti mon kiki, je refais le rachat, je me déconnecte, je me reconnecte parce que là j'aurai possibilité d'acheter la fiabilité. Hey. J'ai un super snipe aussi. Ha. Super sniper, c'est également intéressant. Je craque, j'inverse. Je vais d'abord faire le snipe. Avec la S50. Tant pis. Il faudra que je fasse plus de missions pour m'acheter le lance-grenade après. Le mec, il sait pas ce qu'il veut. C'est pas vrai, j'en ai marre des moucherons cet été. Oh. Enfin, je me plains pas vraiment parce que...
C'est moins chiant que les guêpes, les frelons, les mites, et je sais plus quoi. Quantum Conundrum. Oui, que j'ai la chance d'avoir. Et effectivement, c'est dans la même trempe similaire à Portal. Il faudra que je le fasse aussi. Je le ferai pas cette année. Mais effectivement, il faudra que je me lance dedans. J'avais fait les premières heures. Peut-être les 2-3 premières heures. Et puis par manque de temps, j'avais pas persévéré. Mais je corrigerai mon erreur prochainement. Mais là, Arx Fatalis, je suis vraiment content de vous le faire. Ah oui, c'est le gros fusil de snipe. Attends. Ah oui, j'avais pris le lance-grenade basique. Ouais. Ouais, c'est un bon compromis. Oh 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 oh! Cette visée de snipe avec une échelle intégrée. 2, 4, 6, 8, 10. Honnêtement, je sais même pas comment ça se lit. Wouh! Bon, allez, on se fait quoi? Je peux retourner dans la capitale faire une mission. C'est pas une mauvaise idée. Qui c'est qui m'allume? Voilà, ils m'ont tué. Ah. Eh, attendez. Attendez, c'est intéressant parce que on va exploiter les bugs. Là, je suis mort crispé à mon flingue. Bah tiens, on voit le mec. Mais je crois voir ma bagnole fumée noire. Elle va donc s'enflammer puis exploser. Je demande à voir. Observons. Il est rigolo le bug. Je peux pas tourner la caméra, hein, c'est foutu, mais... Le bug est rigolo. Oh mon dieu. Oh, ne me dis pas que j'ai pas sauvegardé. Après... Ah oui, ça va. J'ai eu peur. Ah oui! Au moment où je sortais, les gars, ils arrivaient. Ah bah merde alors. Alors, qui c'est qui veut me donner un job? Non, ils sont pas là. C'est la maison à côté. Mmh.
Il y a quelque chose sur ce toit? Pourquoi une échelle pour grimper deux étages? Mystère. Là aussi, j'aurais pu faire mon sniper. Mais le coup de l'église, c'était trop bien. C'était trop bien. Je vais te dire si tu me laisses parler. Le débris qui a perdu son pied avec du mur. Eh ouais, celui-là. Je lui ai dit qu'il pouvait les récupérer s'il arrivait à me rattraper. PS, Daily Standard. Stop. Je vais prendre les armes et tout le reste. Ok. J'ai bien un bug hein, avec l'affichage de la cessez-le-feu là. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il n'a pas vendu les armes cette fois, il les a données. C'est ridicule. C'est un trafiquant d'armes. Il doit les vendre pour gagner de l'argent. Et il est reparti. Il prépare quelque chose, j'en suis sûr. Assez. Vous devez vous concentrer sur la question préoccupante, le peuple. Il ne nous écoute plus. Il conteste nos ordres. C'est lui la menace. Pas ce soi-disant chacal. Entrez. Merci, monsieur. Je suis Tambosa, le chef de la PR. Parfait. Nous cherchions quelqu'un comme vous. Ce pays rencontre une grave pénurie de morphine. On n'en trouve plus du tout. Ceux qui doivent être opérés paniquent, ils prennent n'importe quoi pour ne pas souffrir, du whisky, des gaz aérosols, et même du dilure. Cette pénurie nous arrange, moins d'opérations, moins de survivants chez les soldats. L'UFLL a une petite réserve de protoxyde d'azote. Vous pourriez la détruire? Les bouteilles sont dans une ancienne clinique dentaire, à l'ouest de Port-Célao. Les bouteilles sont empilées à hauteur de poitrine sur un camion plateau, elles sont dehors, exposées au premier venu. Une cible immobile, sans risque de riposte. Vous y arriverez? Monsieur Greaves a appris à accepter ce que nous faisons. Prenons le dessus par tous les moyens. Alors. Nous payons avec des pierres, comme d'habitude. Ça me va. Allez à la clinique dentaire et détruisez toutes ces bouteilles d'azote. On est d'accord? Ce monde est moche, et c'est de pire en pire. Je sais pas ce qu'il y a dans le... C'est fermé, je pense. Ouais, c'est fermé. Je peux même pas faire le mariole, vous savez, comme sauter par-dessus la rambarde. C'est vraiment très cloisonné comme environnement. C'est Nasrine. Ah merde, j'ai coupé la conversation. Ah bah non, merde. J'ai coupé la conversation, je suis con, moi. Rappelle-moi. T'as mon 06. Alors, j'ai toujours une alternative offerte. Allez voir Davar qui aurait mieux à me proposer. Ouais, mais elle est où, la miss? Tiens, oui, je peux faire une belle sauvegarde. Ah, elle est où, cette excellente mercenaire? Où est-ce qu'elle se planque? Il faudrait que je me barre par là-bas. Ashi bonanga nani luna wonani ayeluna gashiga luna ashi bonanga
Qui c'est qui me tire dessus en train de faire? Ah, vous êtes là? Bonjour monsieur! C'était trop tentant de faire l'idiot! Ah, il m'a interrompu dans mon champ où j'étais tout joyeux. Le brigand. Tiens, je vais prendre la voûte ferrée, allez. Chou-chou, c'est moi, le nouveau train-train. Savoir que j'ai des poursuivants. Où est-ce qu'il y a la mousse? Ah, il est sur le coin en face. Ah bah voilà, j'ai fait le saut dans la rivière. Plouf. Elle est là-bas. Mais je rêve. Le mec, il essaye de me flinguer. Ah oui. J'ai cru entendre du grabuge sur la rive. Oh, il a eu du bol, lui. Oh, lui, heureusement qu'il a fait un pas chassé. Vas-y voir que j'essaye mon super flingue de snipe. Bon bah je crois qu'on peut dire qu'il est parti pleurer dans les jupes de sa maman. Il a perdu toute sa virilité, mais peut-être a-t-il retrouvé toute sa raison. La 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 la. Dip 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 boo dip 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 boo. Shibi bip 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 chou. Oh, attends, qu'est-ce que je vois là-bas? Attends, 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 attends. Les eaux sont dégueulasses. Ah, c'est une ancienne mallette de diamant. D'accord. Ah, je préfère ça. Donc, elle est où? Elle est là-bas, ma copine. Elle est là-bas. Là-bas. Tidali-dali-louda. Tidali-dali-louda. Eh ben dis donc, pour la rejoindre, il fallait vraiment... Ouh. Dur. Bah là aussi ça clignote. Ah bah d'accord. Oh. Outre. Ils abusent dans les sauts. Eh ben, ça fait plaisir d'avoir deux diamants cadeaux. Ah, d'accord.
Tu m'as eu par surprise. On n'a pas beaucoup de temps, alors je vais aller à l'essentiel. Après le virage, il y a un bureau de poste. À l'intérieur, il y a un paquet qui contient une tête de Delco. Il correspond au camion que tu cherches. Récupère-le. Ah bon ? J'ai cru comprendre que t'étais payé pour détruire le camion. C'est ridicule. Tu ferais mieux de le réparer et de le conduire jusqu'au garage à Sefapan, où je travaille. Mmh. Je déteste cet endroit. Et quand j'ai entendu parler du protoxyde d'azote, j'ai eu une super idée. Tu amènes les bouteilles dans le garage. Et tous les deux, on tire dessus. Et on fait exploser tout l'endroit. Ah, je l'aime bien. Il faut que je te prévienne. Quand tu viens, tu devras être super prudent. Tu vas transporter une charge très dangereuse. N'attire surtout pas l'attention sur toi. Le salaire de la peur. N'oublie pas, tu cherches le bureau de poste. Ah, ces mercenaires. Toujours aussi nerveux. D'accord. Alors, je prends le camion et je me barre jusqu'au bureau de... Ah, excellent. Ah non, c'est pas ça. Récupérer le paquet au bureau du poste avec la pièce détachée pour le camion. D'accord, il faut d'abord aller dans la zone bleue. Ok. Chercher le... Ok. On va manquer qui n'est... Service de la poste, bonjour. Ah, les salopios, ils m'ont abattu. Moi, je vais jouer du snipe. Je vais jouer du snipe. Voilà. Là, je serai très bien. Lui, on n'en parle plus. Être à côté de la citerne de propane, c'est débile. Oh là là, il y en a du monde. Ah, intéressant. Joli. Je sais pas si j'ai eu le véhicule en même temps, mais ils ont dû avoir une sacrée frousse. Merde. Salopard. Le pire, c'est que je peux agir discrètement avec mon fusil hypodermique. Hop là, lui il fait dodo en plein sur la route. Devrais-je mettre le feu au champ à côté de moi? J'aurais peut-être la paix. Comment je fais d'ailleurs pour changer de... Je crois que j'ai moyen de changer de projectile, non? Je sais plus comment je fais. Non, là j'ai sauvegardé. C'est pas ce que je voulais faire.
comment je fais pour changer de projectile? Ouais, mais ils m'ont encore buté. Mais parce que les grenades. Là, il me faudrait plus le Molotov. Alors, je vais retourner. C'est dingue que j'y retourne à la fin du jeu. Vers la fin du jeu, c'est dans les options. Et vérifier mes touches. Arme, je dirais. Changer de projectile. Ah, attendez, machette secondaire principale, arme spéciale. Non, c'est inversé de type de projectile. Ah, projectile suivant. Projectile suivant. Non. Merde, comment on fait? Ah, comme ça, page suivante. Ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux pour l'action. Ouais, j'aurais dû faire ça depuis le tout début. Ah oui, le mec qui m'a vu, il est bien de là. D'accord. Bien joué. Je me suis fait mais alors descendre littéralement. Vous voyez pas aussi bon les gars. Dommage. Dommage parce que l'idée de neutraliser le véhicule est intéressante, on va même de neutraliser le mec. Si j'enchaîne très rapidement les actions, je peux faire un beau truc. Merde. Ah tiens, je suis planté. Bah merde alors. Tu vas mourir. Le souffle de l'explosion fait que... J'arrive pas à voir où il tire. La végétation est luxuriante et du coup ça me masque les positions ennemies. Oh, ils ont eu chaud. Ça sent mauvais, il faut aller aider. Non, pour y
Ah, ils sont sur le qui vive les gars. Ce bug de collision très très con. Ils sont tirés sur eux-mêmes ou je me suis trompé? L'approche est pas la bonne, je rembobine un peu. Ils essayent de m'avoir les salons. Essayer de me la jouer héroïque, j'ai pas le temps de me soigner. Le poste est beaucoup mieux gardé que je ne pensais. Le centre postal. Où tu l'as vu la dernière fois? Par là. Si je m'amusais à les pandas verts. Oh vache. J'ai bien fait de quitter mon véhicule. Oh, c'est dommage le bug du message, c'est le feu là qui reste. Qui sont ces types? Je pense que c'est un ami. Qui c'est qui m'a vu? Je suis arrivé dans le dos de poste. Bah là, vous êtes mal barré. Ah, dommage. Dur. Je pense que je peux faire une approche furtive et qu'ils se rendent pas compte que je rentre dans les locaux. Mais c'est pas vraiment mon intention.
suis même trop exposé dans le bâtiment, c'est fou ça. Ok, le mec il a giclé en feu jusqu'à moi, c'est n'importe quoi. Oh merde, ils vont nous prendre peur, ça va pas. Merde, mais non, mais... La défaillance de l'arme entre grosses guillemets, ne plus avoir de balles dans le chargeur. Qui aurait cru que je vous serais bloqué comme un abruti dans la porte? Oh là là! Épouvantable carnage, on va y arriver. Quand on recharge une partie, en fait, ils oublient votre précédente localisation. Waouh! Comment qu'il m'a défouraillé au fusil à pompe? Trop drôle. Vous voulez partir? Il est quelque part par ici. Où est-il? Vite! Il est passé par là! Il pourrait être n'importe où. Génial. Les assassins ne font rien sans rester quoi. Il est temps de mourir, connard! On aurait dit qu'il dansait sur de la techno là. Tu vas mourir. Oui, moi c'est une grenade. Alors je sais que j'ai un fusil de snipe, mais à bout portant, normalement 3 balles.
Là, là, je vois pas en quoi je l'ai loupé, le gars. Où est parti? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Attention! Ah, merci pour l'info de Momoka lance son direct. Ok, je vais pas tarder à arrêter. Il est déjà 17h10. Je suis à fond dans ma guérilla là, ça me défoule. Mais merci pour l'info et bien vu, Fun. Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Il est... Oh la blague. Merde, je dirais que la chose passe pas très bien. D'accord, je suis dans une pièce close. On est d'accord. Je sais bien, c'est la pièce à pharmacie, donc ça m'aidera à faire. Il est à l'intérieur. Comme dans un bon film comique. J'ai tiré les 5 coups autour de la silhouette de mon ennemi. Il est temps de mourir, connard. Mais qui sont ces types? Je crois que c'est qu'un ennemi. Bouge-moi, Pidal. Il est là-dedans. Ça, pour déchirer, ça déchire. Suivant. Alors qu'il y a des trucs qui continuent à cramer. Il est pas loin. Ouais, bah je suis ici. Ouais. Qui c'est qui m'a liquidé là? Bizarre. Merde, t'es paumé. Ah, le mec est repassé par là. La sauce passe pas très bien. Je vais le charger. Il est là-dedans. Aïe, aïe. Paumé, le ghetto. Attention. J'ai l'impression que mes munitions sont pas compatibles avec les leurs. Bravo, le mec il m'attendait avec son fusil à pompe. L'autre il danse la polka avec son flingue. Ah merde. Évidemment je recharge au moment où il me... Allez, dernière tentative. Et puis si je meurs on fera la suite de la guérilla une autre fois. Tu sais, même moi je finis par être usé par l'échange de tir. C'est vous dire. J'ai vu 4
Putain, il m'a pas vu ce con. Allez. La suite sera pour le prochain épisode. Ouais. J'ai pas mal de tâches qui m'attendent. Merci à vous d'avoir regardé. Merci FunFan pour la modération. Merci à vous toutes et toutes qui êtes passées me faire un petit coucou. Ça fait fort plaisir. Je vais lancer le relais de chaîne pour Momoka underscore one. Qu'on va aller voir. Ça va être sympa. Moi, je vous dis rendez-vous demain matin pour probablement du Stardew Valley, suivi de Arc Fatalis, normalement. Il n'y aura pas de Starbound avec Petit Seb parce qu'il est en vacances et demain, il prend la route du retour. Donc, il ne pourra pas tout enchaîner. De toute façon, le matin, il sera sur la route. Que dire qu'à mon avis, Starbound, pour ceux qui aiment bien suivre mes aventures avec Petit Seb, moi je vous dis rendez-vous samedi prochain, dans 8 jours. Dans 8 jours, le samedi dans 8 jours. Faut se méfier quand on dit prochain. Pardon. Voilà, vous retrouverez Final Fantasy dans 9 jours. Le dernier dimanche du mois d'août. Je reprendrai mon Final Fantasy à ce moment-là. Voilà, puis il y a chute du programme habituel. J'essaie de dépoussiérer un peu mon Discord au niveau jeu en cours à faire. Je suis toujours bloqué dans Tomb Raider d'ailleurs. Attendez, ah oui, c'est le fameux boss de la grand-mère avec Momoka. C'est rigolo ça. Bref, merci, prenez soin de vous, bisous, ça va zapper. On va dire bonjour à Momoka. Ciao, merci les amis d'avoir regardé. Bye bye, bisous, à plus.